Je suis leur silence, de Jordi Lafèvre, aux éditions d'Argo. L'histoire, en fait, de cette jeune femme qui est psychologue et qui doit suivre un psychologue également qui veut savoir ce qu'elle a fait la dernière semaine. Sachant que cette semaine était un peu occupée, en fait, une de ses patientes lui a demandé de l'accompagner pour l'ouverture d'un testament pour la succession d'une énorme maison de champagne. Et il y a un meurtre, en fait, et elle va être à peu près accusée de ce meurtre. C'est une femme qui joue avec ça, en fait, en tant que psychologue. Elle analyse chaque chose, elle analyse chacune de ses réponses, chacune des questions que l'autre va lui poser. Au fur et à mesure, elle va donner des petites bribes de cette semaine un peu folle et un peu loufoque. C'est très, très drôle, c'est vraiment très décalé et c'est à lire absolument, quoi. J'ai choisi le tome de Superman, Son of Kal-El, de Tom Taylor et de John Timms, qui est paru chez Urban Comics. L'histoire va tourner autour de, bah justement, du fils de Superman, qui doit reprendre le rôle de son père. Sauf quand il va commencer à endosser ce rôle de super-héros, bah il va commencer à se poser des questions, bah par exemple, est-ce que je dois juste accomplir des exploits héroïques? Ou est-ce que je dois aussi m'intéresser aux questions du genre de l'immigration, du réchauffement climatique? Et en discutant avec son père, il va devoir un peu trancher pour savoir bah, quelle est sa place de super-héros et surtout à quoi correspond un super-héros en dehors de ses super-pouvoirs, de son costume et de, bah, d'être juste le fils de Lois Lane, une humaine, bah, un peu comme tout le monde. Time Bomb Teacher, qui est écrit par Yanagi Takaguchi, paru aux éditions Panini Manga, qui raconte l'histoire en fait d'une jeune fille qui a des talents de chimiste, qui était promis à un grand destin, on va dire, et puis qui s'est fait voler un peu ses travaux par un mec pas très cool. Elle va se retrouver du coup à enseigner la chimie dans un lycée de seconde zone, avec des étudiants qui vont malheureusement lui mettre un peu la misère. Et elle va malgré elle devoir se retrouver à collaborer avec des yakuza parce que sa petite sœur va se faire kidnapper par une autre bande de yakuza. Par exemple, elle va devoir construire toutes sortes de bombes artisanales pour contrer le plan des yakuza qui ont enlevé sa petite sœur. Et c'est juste génial. Ils ont sorti un coffret qui rassemble du coup les 4 tomes. Donc c'est une super idée de cadeau pour Noël et c'est une super série. Et à la fin il meurt, de Lulu Bai chez Delcourt. Elle raconte plusieurs contes qu'on connaît, et sauf que toujours un peu déconstruit, et surtout en partant de la version originale qui n'est très moins féerique que les versions de Grimm, Perrault ou même de Disney. Et ça casse un peu les codes d'aujourd'hui parce que ça montre que bah en fait Cendrillon elle est pas si gentille que ça, que toutes les histoires sont un peu glauques en dessous, qu'il y a toujours un petit truc un peu moche sous la réalité quoi.